C'est du Overwatch, incroyable Overwatch, qu'est-ce que c'est bon Overwatch. On se retrouve pour la vidéo présentation des nouveautés de l'Overwatch Anniversary, troisième du nom. Donc ça fait, au moment où je pose cette vidéo, bon un peu moins mais bon, ça fait 3 ans que Overwatch est créé, est sorti. Et on va revenir sur tous les skins qui sont sortis, etc. On va pas faire un débrief des 3 ans. En vérité, cette année d'Overwatch aura été la moins bonne, je pense, pas en termes de contenu, mais en termes de jeu. C'est un fait, ce n'est pas... On sent que les chiffres ont baissé, etc. Mais c'est pas un souci. Je pense que il y a besoin que Overwatch ne meure pas. Overwatch n'est pas en train de mourir. Enfin, j'espère. De mon côté, j'y joue plus du tout, hein. C'est pour ça que vous pouvez voir saison 16, tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué Overwatch. Là, je viens de faire quelques parties d'arcade, vous voyez, et j'ai fait 2 victoires pour 8 matchs joués. Parce que ce jeu là, si jamais. Normalement, c'est voilà, chacun pour soi à 8 joueurs. Si vous êtes 6 joueurs, ça annule la partie. Donc, j'ai dû redémarrer 4-5 games à suite là, c'est à suivre. C'est vraiment casse-couille. Faut vraiment qu'ils cherchent ça. Mais le plus important dans ces 3 ans, c'est que ça y est. Je crois, je sais pas où c'est. C'est la forge est sortie. Je crois que c'est là. Paramètres. La forge est sortie, bienvenue dans la forge, voilà exactement. La forge est sortie, on va pouvoir créer des modes de jeu, etc. J'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé même sur le PTR, donc. On va voir ce que ça donne, on va voir si j'ai créé des trucs, mais il y a des modes bien sympas. J'ai suivi quelques trucs, vidéos, etc. Oui. J'ai suivi quelques vidéos, etc. Voir un peu les modes qui étaient sortis. Et c'est vachement sympa, vraiment, je vous conseille, c'est. C'est pas mal, il y a certains modes qui sont vraiment très intéressants. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler surtout des présentations des nouveaux skins parce que c'est le plus important, c'est ce qui nous intéresse. J'ai vu les skins, j'ai pas vu les emotes et tout. J'espère qu'on va avoir des entrées en scène. Et puis voilà. On est parti pour les modèles. Ok, minuit, c'est un skin quoi ça? C'est un skin anniversaire? Putain, il y a ma skin cette année. Ah oui, alors il y a les All-Stars, ça j'en parle vite fait. Je trouve le Lucio un peu en dessous de la Ange, mais en soi ils sont aussi bien que les deux premiers skins, Tresor et Genji qui étaient sortis. Il manque 40 pour en avoir, donc j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, en vrai je me prendrai sur mon... Bon, je regarde juste s'il y a des entrées en scène. Il n'y a pas d'entrée en scène, je suis déçu. Je suis vraiment déçu là. Bon c'est pas grave, donc Diva, un skin plutôt cool, ça reste un épique, donc en dessous, mais... En vrai j'aime bien. Je suis un peu malade aussi, désolé. Fibre de carbone. Ok, je me disais, c'est peut-être en fait, c'est peut-être pas les nouveaux skins. Si, si, ok, c'est les nouveaux skins électriques. Ça, vraiment, sur ce perso, je kiffe les godasses. C'est un truc de malade. Oh là là, ce skin. Je kiffe vraiment les godasses. Et en vrai, les cheveux, je trouve aussi. Les cheveux et les godasses, c'est ce que je trouve le plus incroyable dans ce skin. Même les bras. Moi, j'aimerais bien voir à quoi ressemble la mine. Dommage qu'il la change pas pour les skins. Oui, en vrai, ce skin est cool. Ce skin est cool. Fibre de carbone, assez classique, mais reste classe. Au rouge, je le trouve pas très beau, mais bon, je vais le débloquer. On passe au skin légendaire, ce skin est trop cool. Ça me fait penser à Paris. Lol. Non, en vrai, j'aime vraiment beaucoup ce skin. Bon, il est un peu spécial, je vous l'accorde, mais j'aime vraiment beaucoup. Je me demande ce que ça donne avec l'armure, ça doit être grave classe. Bon, voilà, j'aime bien. Longuette. Ah ouais, en vrai, ce skin est beau. Toxique, j'avais vu ce skin, je le trouve vraiment incroyable. C'est pas le meilleur de Rodog, mais je le trouve incroyable. Shut off. Putain, en vrai, ça fait vraiment film d'horreur. Ça, c'est un skin qu'ils auraient dû sortir pour Halloween, comme le Winston. Je vais pas spoil, mais le Winston et Rodog, je pense que c'est des skins qu'ils auraient dû garder pour le prochain Halloween. J'aurais été très content. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est sympa, un peu le robot. Ah oh, putain. Le robot radioactif. Radioactif, ouais, le monstre radioactif. Oh putain, c'est pas du tout radioactif, mais vous m'avez compris. Bref, ça fait penser à Caustic de Apex Legends. Étudiante, je l'avais vu. Première fois que Diva, je la trouve pas insupportable comment elle est. Non, c'est ce qui est cool, c'est ce qui est cool. Ah, le gun est sympa, j'aime bien. Non, en vrai, le skin est cool. Pas extraordinaire, mais sympathique. Merde, je suis passé à faire direct, bonsoir. J'avais vu ce skin sur la lune ou quoi? Oui, c'est ça, orbite. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'aime bien. Oh, ouais, clairement, non, c'est grave classe. Helix Securities. Oh, sérieux? Helix, ça me dit quelque chose dans le.
Je pensais au truc de. Non, c'est pas ça. Je pensais au truc de Dorado, mais non, Elix, ça doit pas être ça. Mais on connaît Elix, ça me dit quelque chose. Je vais aller me renseigner juste après la vidéo. Ça me dit quelque chose, donc ça fait partie du lore aussi. C'est cool. Melon d'hiver, je l'avais vu. En vrai, j'aime bien. Parce qu'il y a eu des skins récemment que je trouvais pas incroyables. J'aime bien. Les jambes à l'air. Les chaussettes. Putain. Non, en vrai, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Ah, le gun est cool. On passe au Winston, Gargouille. Je trouve ce skin impossible, extrêmement incroyable. C'est peut-être le meilleur avec Yeti qu'on a sur Winston. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un bon skin Winston. Ça fait extrêmement plaisir. Et là, ça me fait penser à Lucifer. Vous voyez, il y a plein de. Je pense totalement à autre chose qu'à Overwatch en ce moment. Non, j'aime bien. Vraiment, je trouve ça cool. Très très cool. J'allais dire le gun est moins bon, mais en vrai, ça a sa petite touche personnelle. Ça va avec la gargouille, quoi. Non, en vrai, c'est super sympa. Ok, cool, hein, pour le moment, je suis content. Alors, on a les trois danses des nouveaux persos. Des trois persos qui sont sortis après l'anniversaire des 2 ans. Ok, sympathique. En vrai, ça passe. Comme pas. Ah, on l'avait vu celle-là. En vrai, elle est cool. En vrai, ça va. Et la danse de l'austère. Abîmer le robot, faire un petit beat. En vrai, elle est grave. Ah, je pense que c'est la meilleure. Ouais. Et après, je pense. Ok, celle-là est bien. Et j'ai débloqué. Regarde. Et j'ai débloqué. Célébration. Ah. Ça me référence à Macri quand ça se passe. J'aime bien. Ça va. Ok, grave classe celle-là. Avec ses skins, ça va trop bien. En vrai, j'aime bien. Et guide. Il y a plein de références qui me viennent en tête, mais je vais pas vous saouler. Ok, très bonne. Alors, en vrai, elle a trop célébration aussi. On va passer aux répliques. On va déjà passer au tag et après, on va finir par la réplique. Les cartes. Oh, Bob, un tag! Un tag de cartes, c'est incroyable. Il y a beaucoup de 8. Merde. Est-ce que. J'ai pas vu encore les persos, mais est-ce que c'est une référence à. L'année où ils sont sortis? C'est pas possible parce que c'est un 7. Pourquoi là il y a 3-8? Ça doit être une référence qu'on comprendra peut-être plus tard. Bon, on verra. On va passer aux répliques tout de suite. Je monte un peu le son du jeu. Et voilà. Ça y est, ça va marcher, etc. Mais non, ça ne marche pas. S'il vous plaît, je vais écouter les répliques, quoi. Pourquoi Tracer, ça a marché? Ça marche plus. Bon, bah, on n'aura pas les répliques. C'était très intéressant. Overwatch, quoi. La bombe, Sling, Big Eye Again, Victory. Je regarde un peu ce que ça pourrait donner. Des vêtements, ça pourrait être pas mal. Genre vraiment, je suis en train de. Mon marteau, pourquoi pas. Mort en héros, ça ok. Boulette de viande, ça pourrait être drôle. Mon secret, j'aimerais voir la suite pour savoir si c'est drôle. Vos faiblesses, pourquoi pas. I love this part, moyenne. Ouais, voilà, c'était sympa cette découverte de skin. On voit que je suis content de faire une vidéo sur Overwatch. Non, en vrai, Overwatch, elle m'a manqué. La force m'a donné quelque chose de très incroyable à Overwatch. Mais c'est personnellement pas quelque chose que je recherche dans le radio. À quel moment je suis pas deg? Bon, c'est cool, on débloque des skins qu'on n'avait pas eu. D'ailleurs, j'aimerais bien débloquer tout sur son bras, est-ce possible? Qu'est-ce qu'il reste à débloquer? Ça, ça. Putain, ça me fait une blinde. Il me reste quoi sinon? Il me manque 3 skins et j'ai tout. Bon, je vais les débloquer petit à petit. Bon voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est un plaisir. Ouais, Overwatch, ils ont rajouté la forge, ça va être incroyable, on va faire plein de trucs excellents, surtout entre potes, ça peut être très très drôle. Le problème, c'est que c'est pas pour ça que je joue Overwatch, maintenant je joue plus pour la compète qu'autre chose, et c'est vraiment pas un plaisir de jouer en compète hors stack de 6 et j'ai pas beaucoup d'amis.
Le monde a besoin de héros. Ok, bon, bah, en vrai, c'est cool. Sans parler d'Overwatch en lui-même, en parlant juste de l'événement, l'anniversaire, c'est toujours bon parce qu'on retrouve tous les modes de jeu. On peut débloquer les skins qu'on n'a pas eu, donc c'est moins frustrant parce qu'on a deux chances par an et ça revient toujours toutes les années. Même si en soi, j'aimerais, là, ça fait 3 ans qu'ils changent un peu les trucs. L'anniversaire, c'est quelque chose qui doit rester. Et si on parle de l'événement en lui-même, les skins sont vraiment bons. Les skins sont vraiment bons, les emotes aussi et les célébrations aussi. Les répliques, j'en sais rien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une vidéo probablement de catch, je vais pas vous le cacher. Parce qu'en ce moment, je suis plus intéressé par le catch que par les jeux vidéo. Ou peut-être sur Trackmania, j'en dis pas plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Aquapro. Ciao l'hamster. Et allez jouer à la forge, c'est vachement sympa.